Bibel. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bonjour à moi, et pas à vous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va traiter? On va analyser le training d'un professionnel, un IFBB Pro. Certainement, la meilleure chance française aujourd'hui de très bien figurer à Olympia, si jamais Inch'Allah y arrive. On va traiter le training de Stéphane Matala. Alors, pourquoi je vais faire cette petite série de vidéos, je pense. On va en faire plusieurs. Tout simplement parce que je trouve ça intéressant, déjà, de regarder comment les professionnels s'entraînent, ceux qui ont un très haut niveau. Et puis d'émettre un jugement constructif, parce que je sais que Stéphane n'est pas coach. Je vais vous donner ma vision des choses, ce que je ferais si j'étais son coach. Et puis voilà, c'est parti, ça va être intéressant. J'ai choisi une vidéo intéressante, celle sur les épaules. Étant donné qu'il a un point faible épaule, je trouvais ça intéressant de savoir quelle stratégie il mettait en place pour pouvoir rattraper son point faible. J'adore les pubs. Comment rattraper un retard au niveau des épaules? Aujourd'hui, je vais vous livrer mon approche pour répondre à cette problématique. Comme vous le savez, puisque vous me le répétez tous les jours, j'ai moi-même un retard assez important sur les épaules. Le pauvre, on lui répète toujours qu'il a un retard épaule. Pendant 5 ans, on m'a dit que j'avais pas de pec. J'ai toujours pas de pec. Et ce retard n'est pas dû au fait que je ne travaille pas mes épaules. Il est plutôt dû au fait que j'ai des bras assez développés, ce qui gâche la cohérence entre mes épaules, mes bras et mes pectoraux. Chose qui est vraie. Donc échauffement de la coiffe de rotateur, très intelligent, éviter de se blesser. Une épaule de niqué les gars, c'est mort. Musique épique. Évidemment, avant de commencer l'entraînement, on échauffe bien ses épaules. Vous pouvez commencer par faire un échauffement comme moi au rameur pour monter la température corporelle et après passer aux échauffements spécifiques à l'épaule. C'est très 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 important cette étape, surtout pour les épaules. Une blessure à l'épaule pour vous et je peux vous dire que votre carrière en tant que pratiquant est complètement terminée. Hein. Il confirme lui-même, donc c'est intelligent, surtout, échauffez-vous. Que ce soit pour n'importe quel groupe musculaire, c'est très souvent oublié, mais c'est la base si vous voulez durer dans ce sport, surtout dans ce sport. Je vais commencer l'entraînement par mon deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule. Je fais cela parce que c'est un point faible chez moi, comme chez la plupart des pratiquants. Donc l'intérêt de commencer l'entraînement par travailler un point faible, c'est pouvoir vraiment se concentrer dessus, parce qu'au début de l'entraînement, on a beaucoup d'énergie, la concentration est au maximum. Et là, on peut vraiment se concentrer, aller travailler efficacement ce point faible qu'on a envie de voir progresser. Il a raison, on l'a vu dans plusieurs vidéos, la quasi-totalité des gens ont un deltoïde postérieur court. Voilà pourquoi c'est souvent un point faible chez les gens. Là où il a raison aussi, c'est de commencer par votre point faible lors de votre séance. C'est là où vous êtes le plus fort, le plus frais. Et c'est là qu'il faut envoyer la sauce si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour attraper ce point faible. Premier exercice pour l'arrière de l'épaule, on va faire du tirage à la double poulie basse. Alors ici, ce mouvement se fait comme ça. Donc on tire, on va chercher l'arrière de l'épaule et ça implique de pouvoir vraiment aligner la trajectoire du mouvement à la trajectoire des fibres. Donc cette trajectoire-là, parce que si vous tirez comme ça, vous allez recruter le grand dorsal et c'est pas ce qu'on veut travailler. Donc on pense vraiment à se concentrer sur le muscle qu'on veut engager sans trop faire intervenir les trapèzes évidemment. Et là, on va se concentrer sur l'arrière de l'épaule. C'est un très très bon exercice pour recruter son deltoïde postérieur. Alors, premier choix de l'exercice, personnellement, c'est pas ce que je ferais, surtout dans son cas, étant donné qu'il a les bras en point fort. Clairement, là, c'est un tirage. Il sollicite, dans tous les cas, ses biceps. Et Stéphane ayant de gros biceps, le choix me paraît peu judicieux de commencer par un tirage, parce que son muscle, même s'il est échauffé, son delto postérieur n'est pas pompé. Donc, la première chose qui va pomper dans son cerveau, même s'il y a une très bonne connexion cerveau-muscle, c'est ni plus ni moins ses bras. Pour ce qui est de la technique, évidemment, même si je pense qu'il écarte les coudes, on voit pas très bien l'angle. Je pense que un tirage avec les coudes bien plus haut, justement pour aligner les fibres, serait bien plus intéressant. Dans son cas. 2 3
chose là où il a raison. Que ce soit un tirage ou un écarté, il ne faut pas serrer les omoplates. C'est la base. Ça, clairement. Si vous serrez les omoplates dans la quasi-totalité du temps, si vous avez les deltoïdes postérieurs longs, oui, vous pouvez serrer les omoplates. Vous allez prendre de l'arrière d'épaule, mais dans 95% du temps, ce ne sera pas le cas. Donc clairement, personnellement, pour son cas, j'aurais commencé par un écarté. Évidemment, en série longue, c'est l'arrière de l'épaule. Puis c'est un point faible, donc il a besoin de pomper. Un point faible, c'est souvent ça. Comme le muscle est court, il y a une compétition déjà entre tous vos muscles, ok? Dans l'instant où votre muscle est court, il est peu fort, peu sollicité, donc il a besoin de connexion nerveuse. Et pour ça, il va falloir amener du sang et des reps. Donc clairement, j'aurais commencé par un écarté, quoi qu'il arrive. Et aussi pour éviter d'utiliser ses biceps. Là, je baisse ma charge et je continue. 1, 2, 6, 7, 8. Bon, on voit bien que dès qu'il en chie, clairement, il baisse les coudes, ce qui est une chose normale, hein. Mais du coup, on perd tout l'intérêt du mouvement. Là, au début de l'entraînement, je ne suis pas fatigué, donc je peux faire un gros volume d'entraînement sur l'arrière de l'épaule dès le départ. Donc, adopter cette approche permettra sur le long terme de vraiment développer ce point. Alors évidemment, on peut aussi commencer l'entraînement par faire un mouvement polyarticulaire, comme le développé militaire à la barre. Personnellement, c'est un mouvement que je n'apprécie pas. Mon articulation n'a pas l'air de l'apprécier également, donc je ne le fais quasiment jamais. Chose à prendre en compte quand vous faites un programme, ce sont les contraintes de chaque personne. Pour le deuxième exercice de l'arrière de l'épaule, je vais faire une variante du rowing coup d'ouvert. Pour réaliser cet exercice, on a besoin de deux haltères évidemment, qu'on va saisir et réaliser une légère rotation des poignets pour aligner la trajectoire du mouvement à la trajectoire des fibres du deltoïde postérieur. Et là, on va pouvoir recruter le muscle qu'on recherche à travailler. Alors le problème de cet exercice-là, c'est que c'est carrément le même exo que le premier. Il est fait de façon différente, mais penchez-vous sur la gauche et vous avez exactement le même exercice que la première fois. Donc du coup, là, il y a peu d'intérêt, à mon sens, de refaire le même exercice, même si c'est à l'haltère. Clairement, il va tirer avec ce qu'il peut, donc avec ses bras. Donc d'un point de vue optimisation, c'est vraiment pas top pour le coup. En plus, on voit bien que ses triceps interviennent. Oui, les gars, les triceps interviennent lors d'un tirage. Étant donné qu'il a un point fort bras, encore une fois, c'est pas optimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, pour augmenter le volume d'entraînement, je vais baisser ma charge. Pareil, le choix du nombre de reps. 12 reps sur des séries d'épaule. Surtout sur l'arrière d'épaule, un tout petit muscle comme ça, il y a peu de chances que vous allez pump. Surtout si vous avez du mal à le recruter. Je suis en début d'entraînement, donc j'ai de l'énergie. Je peux le faire. Alors là, il a raison. Pour le coup, si vous avez un point faible et que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il faut l'exterminer jusqu'au bout. Vous êtes au début, comme il a dit, vous êtes au début, vous pouvez absolument tout exploser. On poursuit l'entraînement avec les élévations latérales. C'est un mouvement très connu pour développer ses épaules, mais c'est aussi un mouvement très mal exécuté par la plupart des pratiquants. Ce qui est vrai. Ça a été le cas également pour moi par le passé. Donc la première chose à faire pour accentuer sa progression, c'est remettre en question la qualité d'exécution de vos mouvements. C'est vrai, souvent, bien souvent, c'est pas l'exo qui est mauvais, c'est la technique qui est mauvaise. Hein, quand tu vois Nassim qui te dit qu'une presse parabolique ne vous fera pas faire prendre des quads, bah si, en fait, suffit d'adapter sa technique, baisser les pieds sur le plateau par exemple pour augmenter sa flexion de genou. Mais ça, apparemment, en ce moment, il a oublié Nassim. Pour optimiser la qualité de votre exécution, il faut comprendre deux choses. La première, c'est l'insertion de votre épaule.
L'épaule part de là pour venir se rattacher à l'avant de l'humérus. Donc, le meilleur positionnement pour la plupart des pratiquants sera celui-ci. Donc, les haltères partent de l'avant et ensuite montent. Pour bien faire votre mouvement, vous vous mettez là, légère flexion des coudes et hop, on y va. Et là, on ressent bien ses épaules. Ce que je viens d'expliquer est valable pour la plupart des pratiquants. Dans mon cas, quand je fais cette exécution classique, j'ai tendance à ressentir plus le deltoïde antérieur que le côté latéral. Donc, ce n'est pas vraiment avantageux pour ma personne. Dans mon cas, ce que je vais faire, c'est ramener les haltères légèrement sur le côté, pas complètement, parce que ce ne serait pas vraiment agréable pour l'articulation. Donc, je vais simplement faire une petite rotation là, comme ça, sur le côté, et je vais monter. Et là, j'ai un meilleur ressenti sur le deltoïde latéral. Très important toujours, la technique, c'est propre à chacun. Chaque exo peut être fait différemment. Enfin, chaque exo peut être optimisé pour chacun. Pour cet exercice, on va commencer par faire 3 séries en charge lourde. Il faut savamment choisir sa charge pour éviter des blessures. Allez, on y va. 3. Alors sur ce choix d'exercice, les élévations latérales aux haltères, c'est très bien. En revanche, clairement, tel qu'il le fait, de 0 à 30%, il n'y a rien et il va jusqu'à 35%. Donc là c'est dommage parce que clairement, il a quasiment 60 voire 70% de son mouvement qui ne sert à rien. C'est dommage, j'aurais préféré une poulie par exemple à hauteur de genou, une élévation latérale où il aurait la tension du début jusqu'à la fin. Ce serait déjà plus optimal, je pense. Sur ce mouvement d'élévation latérale, j'ai un petit problème avec mes trapèzes. C'est vraiment un gros point fort. Donc j'ai souvent du mal à désengager mes trapèzes pendant l'exécution. Donc si c'est le cas pour vous aussi, pensez durant l'exercice à trouver un positionnement qui vous permet de vraiment désengager les trapèzes au maximum. Ça ne va pas être facile, mais avec de la persévérance, vous allez y arriver. Oui, je suis assez d'accord aussi. Le problème, c'est que quoi qu'il fasse, de toute façon, ces trapèzes vont congestionner, ça c'est sûr. Mais passer un certain stade de hauteur de l'haltère, c'est plus les trapèzes qui vont bouger. Donc clairement, limite, s'il était aux haltères, peut-être que juste la partie haute du mouvement a été peut-être plus intéressante au final. Parce que là, clairement, au bout d'un moment, les trapèzes ne font pas monter la charge. Hein. Ça reste les épaules, quoi qu'il arrive. Même si les trapèzes interviennent, ça reste les épaules. Maintenant que j'ai fini la première phase sur l'élévation latérale qui consiste à travailler avec une charge lourde. À présent, je passe à la deuxième phase. Nous allons faire un dégressif pour augmenter toujours notre volume d'entraînement. 1, 2. Là, clairement, on le voit bien, hein, c'est dommage qu'il n'y a qu'une toute partie du mouvement au final où il soulève la charge. 3, 4, 5, 6, 7. Le problème, c'est qu'il reste plus hors tension qu'en tension. Du coup, l'exo n'a pas tellement d'intérêt. 10, 11, 12. Et on y va. Allez. Encore une fois, c'est de la technique, donc même s'il sent ses trapèzes, va falloir prendre moins lourd, augmenter son nombre de reps, ce sera bien plus intéressant. L'épaule doit brûler, hein, les élévations latérales sont là pour ça. C'est pas un exercice où tu dois faire 12 reps, ça n'a peu d'intérêt, clairement, surtout si c'est un point faible. Ça a besoin de reps, encore une fois, de sang. Donc mettre moins lourd, augmenter son nombre de reps jusqu'à 20, 25, 30, 40, je suis même allé jusqu'à 50 sans problème. J'ai même fait des séries de 100 et ce sera bien plus intéressant, je pense, pour lui. 12. Comme vous l'avez remarqué, ici, c'est la charge qui baisse et pas le nombre de répétitions. Allez, on y va. 1, 2, 9, 10. Le problème ici, c'est le stress mécanique. Hein. Il y en a peu au final. 11 et 12. Là, je sens que ça devient difficile. Donc, je ne vais pas pouvoir avoir une amplitude complète sur toutes les séries. Donc, ce qu'on peut faire, c'est réduire l'amplitude du mouvement pour continuer à travailler. Le problème, c'est que l'amplitude était déjà basse, alors là...
On enchaîne avec un mouvement d'isolation. Clairement, là, à la poulie, tel qu'il fait, en plus, il fait bien, il penche, c'est parfait pour lui, clairement. Il peut même aller encore plus haut, là, il peut totalement isoler son deltoïde sans tellement engager son trapèze. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est un exo optimal pour rattraper un retard épaule. Vous avez la tension du début à la fin. Limite, vous avez même un petit étirement. L'étirement est un facilitant de prise de muscle. On le voit bien sur la partie basse du mouvement, il a le delto qui s'étire. Pour quelqu'un comme moi qui a un gros point faible au niveau des épaules, l'élévation unilatérale à la poulie, on peut le faire aux haltères aussi, est super efficace pour aller mettre l'accent sur l'épaule. Si c'est le cas pour vous, si vous avez aussi ce gros retard, je vous conseille fortement ce mouvement dans vos séances. Je suis d'accord avec toi. On finit l'entraînement sur le travail du deltoïde antérieur. Je le mets à la toute fin parce qu'il travaille déjà sur d'autres séances dans la semaine. Je fais les pectoraux 2 fois par semaine, donc il intervient déjà énormément. Et en plus de cela, je le travaille sur ma séance épaule. Donc je le mets à la toute fin avec 1 ou 2 exercices maximum. Alors le deltoïde antérieur, dans son cas, clairement, il peut le travailler, il n'y a aucun souci. Déjà parce qu'il a beau avoir un retard épaule, il a une très belle épaule, l'épaule est bien ronde, l'épaule est droite, le delto antérieur est à la même hauteur que le delto postérieur, donc il peut, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas du tout le cas de tous les pratiquants, et ça je vous le déconseille clairement pour les mêmes raisons qu'il a dit auparavant hein, c'est juste que vous le travaillez tout le temps, donc ça n'a peu d'intérêt de le travailler encore, de l'isoler. Là, je sens que sur la fin de la séance, j'ai moins d'énergie. Donc, je vais baisser ma charge de travail. Et je vais vraiment aller me concentrer au maximum sur mon mouvement. Voilà. 2. Là, c'est bien. 3. Vraiment pas hésiter à baisser la charge pour se concentrer sur le mouvement. C'est beaucoup plus intéressant en termes d'entraînement pur, mais aussi pour éviter les blessures. On arrive à présent au terme de cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est penser avant tout à bien vous échauffer pour préparer votre muscle à l'effort. Les épaules, c'est très fragile, donc il ne faut surtout pas se blesser. Ensuite, il faut revoir la qualité d'exécution de vos mouvements. C'est principalement cela qui va vous permettre de progresser. Et enfin, un point qu'on évoque très rarement, la récupération. S'il vous plaît, pensez à vous étirer sur les jours de repos, pourquoi pas à vous faire masser pour vider l'acide lactique des muscles, et tout ceci vous permettra de progresser sur le long terme. Et c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec lui. Pour la conclusion, c'est dommage. C'est dommage parce que comme il ne peut pas faire de développé militaire, donc il a des exos qui ont peu de stress mécanique, où il ne peut pas utiliser de lourdes charges, donc clairement, le choix des exos est à mon avis pas optimal, le nombre de reps non plus. J'aurais personnellement commencé par un écarté pour désengager ses bras et vraiment pump le delto postérieur pour ensuite lui envoyer de la charge telle qu'il l'a fait sur son premier tir. Ça, ce serait à mon sens optimal pour lui. Ses élévations latérales, malheureusement, même si la technique est bonne, je ne pense pas non plus que ce soit optimal pour lui. Je pense qu'il faudrait baisser la charge, augmenter bien plus son nombre de reps. Clairement, c'est un point faible, hein. Il n'a pas besoin de faire des 8-12 reps. On peut monter à 20-25. Ce qu'il lui faut, c'est du pump et de la brûlure. Vous allez faire de la viande avec énormément de reps, c'est pas un souci. Je l'ai déjà fait naturellement, je l'ai prouvé naturellement. C'est à la portée de tout le monde. Alors évidemment, en plus de ça, Stéphane a une excellente génétique. Je suis intimement persuadé que ça marcherait du tonnerre. Donc j'enchaînerai après ce tirage-là, j'aurais enchaîné sur son élévation latérale à la poulie. Pareil, en tranche de minimum 20 reps jusqu'à ce que meurt s'en suive. Avec peu de temps de repos au final, parce qu'il faut vraiment leur mettre
dedans, quoi. C'est un point faible, donc il faut les surcharger de tout, de sang, d'acide lactique, absolument, faut tout leur mettre. J'aurais fini aux haltères avec beaucoup moins de charge qu'il l'a fait, la même en dégressive aussi, je pense, et avec un nombre de reps beaucoup plus élevé que ce qu'il a fait. Et une technique différente, puisque je lui aurais fait monter les bras jusqu'en haut, même si les trapèzes interviennent, ce n'est pas grave. Avec le travail en amont qu'il aurait fait sur les élévations latérales, on aurait clairement pu toucher les épaules sans vraiment engager les trapèzes sans problème. Il n'aurait pas eu besoin d'utiliser bien lourd pour pouvoir éclater les épaules, ça n'aurait pas été un souci. Éventuellement, s'il est capable de le faire derrière un développé militaire, là avec tout le travail qu'il aurait fait derrière, il aurait utilisé peu de charge. Donc à voir si c'est faisable aussi pour ses contraintes, s'il peut le faire. Je l'aurais fait avec moins de répétitions, là on aurait pu se taper dans du 10-15 reps. Pour finir, ça aurait été optimal, et ses élévations frontales en dernier comme il l'a fait. Voilà, clairement je pense que ça aurait été du feu de Dieu. Stéphane, si tu vois cette vidéo, en tout cas je te souhaite de réussir. T'es certainement, comme je l'ai dit au début, la plus belle génétique de France pour le classique, donc voilà, j'espère que tu réussiras dans tes projets et que cette année sera faite de victoires. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous voulez que j'analyse d'autres trainings de professionnels, dites-le moi en commentaire. On n'en fera pas une tous les week-ends, clairement, mais je voulais apporter un point de vue purement biomécanique avec des conflits anatomiques, comme on a parlé la semaine dernière, pour vous montrer que clairement on peut faire de belles choses et contrer les points forts pour mettre un maximum de chances pour que vos points faibles se développent. Pour le reste, abonnez-vous, commentez, partagez, et à dimanche prochain. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sad.